Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Bac S, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 1. Sophia souhaite se rendre au cinéma. Elle peut y aller à vélo ou en bus. Partie B en utilisant son vélo. On suppose à présent que Sophia choisit d'utiliser son vélo. La durée du parcours exprimée en minutes est modélisée par la variable aléatoire t indice v qui suit la loi normale d'espérance mu est égal à 14 et d'écart type sigma est égal à 1,5. Question 1. Quelle est la probabilité que Sophia mette moins de 14 minutes pour se rendre au cinéma? Question 2. Quelle est la probabilité que Sophia mette entre 12 et 14 minutes pour se rendre au cinéma? On arrondira le résultat à 10 moins 3. Exercice 1, partie B. Donc on a maintenant une variable aléatoire TV, T indice V, qui suit la loi normale d'espérance mu est égal à 14 et d'écart type 1,5. Alors, on veut la probabilité que T indice V est inférieur à 14. T indice V inférieur à 14. Donc ici, on va centrer et normaliser la variable aléatoire. Donc ici, probabilité TV moins espérance 14 divisé par écart type 1,5 inférieur ou égal à 14 moins 14 divisé par 1,5. On va noter Yt indice V moins 14 divisé par 1,5. Et Y suit la loi normale de paramètre 0,1, la loi normale centrée réduite. Donc ainsi, P, la probabilité que Y soit inférieur ou égal à 14 moins 14, 0, divisé par 1,5, donc ça fait 0. Et ça, résultat du cours, pour une loi normale centrée réduite, être donc la variable est inférieure ou égale à 0, la moitié du temps. Donc ici, la probabilité que Y soit inférieur ou égal à 0, c'est bien 0,5. Alors deuxième question, il s'agit de calculer la probabilité que TV soit compris entre T indice V compris entre 12 et 14. Donc ici on a posé Y TV moins 14 divisé par 1,5. Donc P compris entre. Donc Y compris entre 14 moins 14 divisé par 1,5 bah 0. 12 moins 14 divisé par 1,5. Ici P. Donc Y compris entre moins 2 sur 1,5. Et 0. On obtient ici donc P de Y inférieur ou égal à 0 moins P de Y inférieur ou égal à moins 2,2 sur 1,5. P inférieur à moins 4 tiers. Ici on peut faire un petit dessin. Ici on a la courbe. Voilà. Donc on veut 4 tiers, moins 4 tiers, 0. Donc on veut cette R là, bien c'est égal à cette R là, tout ça, moins ce qui est en jaune, ici. Donc ce qui est en jaune c'est ça, ce qui est en vert c'est ici. Donc on va calculer ça, donc ici c'est égal à 0,5 moins 4 tiers. On trouve 0,091 et donc ça c'est à peu près égal à 0,49. Donc la probabilité que Sophia mette entre 12 et 14 minutes est de 0,409.